c'est toujours, toujours spécial. Et donc voilà, j'ai envie de courir, c'est sûr, et j'ai envie de courir vite devant le public. Je pense que ce sera un très très grand moment pour le père, voir ses trois fils en même temps, et donc qui va être très important. Vendredi, je ne vous le cache pas, c'est l'atmosphère, les spectateurs, pour pouvoir encourager Kevin et Joe par rapport à cette fatigue et qui leur donne la motivation nécessaire pour essayer d'être en dessous des 45 secondes. La motivation pour le mémorial est toujours là. Je sais que vendredi, je serai surmotivé avec un public comme ça, et en plus à la maison. Maintenant, c'est vrai que la saison a été longue, le corps est fatigué, et on verra bien comment les jambes vont répondre au rendez-vous, mais je pense que ça devrait aller comme chaque année, on arrive encore à aller chercher de l'énergie, et je pense qu'encore une fois, ce sera le cas. C'est la première fois d'ailleurs qu'on court tous les trois dans un même 400, et voilà, moi je sais que je vais m'amuser, je sais que Joe va s'amuser, et Dylan, c'est son premier Memorial Van Damme, et je sais qu'il va savourer et va s'amuser aussi, et je pense aussi que ça peut lui permettre de faire un bon chrono vendredi, et c'est ce que je lui souhaite pour son premier mémorial en tout cas. C'est mon premier mémorial, j'ai surtout envie de m'amuser, d'apprécier, et c'est clair que je vais donner mon maximum et je me sens encore bien pour pouvoir faire un bon chrono. Maintenant on verra comment ça va se passer, mais je pense pouvoir quand même sortir un bon chrono. Il faut souvent se remettre dedans, continuer après les championnats, mais vrai, quand on arrive ici au Mémorial avec le public, avec l'ambiance, ça devient facile, et puis on n'a plus qu'une envie, c'est de courir. Donc voilà, je pense que vendredi, on va encore bien s'amuser.